Maintenant, l'actualité à travers le monde. Nous allons en Irak, à Kirkouk. Un double attentat à la bombe au siège de l'Union patriotique du Kurdistan, UPK, à Tuz-Koumato, dans le nord de l'Irak, a fait au moins 30 morts et 185 blessés, a-t-on appris de sources autorisées et médicales lundi, au lendemain d'une attaque similaire visant les bureaux du parti politique kurde dans la province de Diyala. Aux États-Unis, interview, discours, dédicace, ce n'est officiellement pas un départ en campagne présidentielle, mais la tournée qu'entame cette semaine Hillary Clinton ressemble à s'y méprendre au prélude d'une candidature à la Maison-Blanche dont elle a méthodiquement posé les jalons. L'ex-chef de la diplomatie américaine publie mardi aux États-Unis des mémoires très attendues, le temps des décisions, récit de ses 4 années au département d'État et dont le lancement s'accompagne d'un rouleau compresseur médiatique. Le premier ministre haïtien Laurent Lamothe a indiqué samedi lors du programme gouvernement Lacaille et que 24 projets dans les domaines d'infrastructures urbaines, sanitaires, scolaires et d'électrification sont en phase d'achèvement dans le département d'Enip. Parmi ces projets figurent les travaux d'électrification de Payan, de Petite Rivière de Nip et l'extension du réseau de Icar à Mussot et celle de Petite Rivière. En Syrie, l'un des 2 navires où sont stockées les armes chimiques livrées par la Syrie a pris la route dimanche 8 juin, a annoncé l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, chargée de surveiller le processus. Le bateau livrera les armes en Finlande et aux États-Unis, où elle doit être, détruite. Vous suivez l'actualité à travers le monde. Dans un instant, l'actualité de l'Église. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration. Comme vous le savez très bien, la parole de Dieu est la respiration de l'âme. Gardez l'antenne. Soyez up-to-date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. 3000, toute l'actualité de l'Église. C'est Jésus qui vit en moi.
Vous suivez ma journée sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité de l'Église à travers le monde. Nous allons en Indonésie. Les attaques à caractère religieux ayant cours dans la province de Java Centre sont en relation avec l'inaction de la police le 2 juin devant les journalistes accueillis dans son palais de Yogyakarta. Le sultan et gouverneur de province a dénoncé l'incapacité de la police à empêcher la répétition d'attaques visant les lieux de culte chrétien. En effet, dans cette région où règnent habituellement de bonnes relations entre communautés religieuses, deux incidents sont survenus en 8 jours. Le 29 mai, une réunion catholique a été interrompue par un groupe d'hommes à moto et 7 personnes ont été blessées. Les assaillants sont revenus saccager les lieux à coups de briques et de barres de fer. Et le 1er juin, des membres de groupuscules islamistes radicaux caillassaient une église pentecôtiste. Une résolution du Conseil de l'Europe passée inaperçue parmi les chrétiens s'en prend à toute idée d'un créateur. Au moment des origines, Pierre Hamé a entrepris une thèse pour voir quelle idéologie et motivation se cachent derrière ce texte. Les valeurs qui sont l'essence même du Conseil de l'Europe risquent d'être directement menacées par les intégristes du créationnisme. Aux yeux de Pierre Hamé, cet article, le 18 de la résolution 1580 du Conseil de l'Europe de 2007, donne le ton de la politique européenne. Très perplexe, cet ingénieur devenu pasteur réformé, conférencier sur des questions scientifiques, prépare depuis 3 ans une thèse à la faculté Jean Calvin avec le professeur Yannick Imbert. Son objectif, voir quelle idéologie sous-tend cette résolution intitulée « Danger du créationnisme dans l'éducation » et quelles en seront les conséquences sur le monde chrétien. Vous êtes branchés sur la zone de la radio Respiration. Nous allons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, observer notre pause publicitaire sur cette longueur d'onde. Et puis, dans un instant, nous serons de retour avec d'autres informations sur les ondes de votre station de prédilection, Radio Respiration. Gardez l'antenne. Signe qui montrait que Jésus pas loin pour le tout. Chrétien, jour nous t'attend arrivé dans le South Bay de Senior High School, sauté 22 pour le 29 juin 2014, à prédicateur Feniton Jacquet. Nous pas loin tout signe qui montrait que Jésus pas loin pour le tout. Groupe Symphonie Angélique Valla pour nous mettre dans l'ambiance adoration sans pareil. Mettez l'huile dans notre nom pour le 7h30 dans la soirée. Non, South Bay Senior High School, sorti 22 pour le 29 juin 2014, des Picounia, Association des pasteurs de Homestead, abdi-nous toutes, bienvenue. On veut de love, sans limite, sans limite. 3000, soyez up to date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Toute l'actualité de l'Église. Vous êtes branchés sur la zone de la radio Respiration, votre station de prédilection. Je vous le dis en titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pape François Ier est en train, n'est-ce pas, de faire des réformes administratives au niveau des finances. Et il a licencié des personnes qui se trouvaient dans l'administration financière au cœur même du Vatican.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous offre maintenant la chanson du jour. La chanson du jour, c'est une note que Mr. Doll va nous offrir. Appelle-moi. Le numéro de notre téléphone, c'est le 786-414-6878. Appelle-moi, c'est une jolie chanson que nous dédions à tous les membres de la première église baptiste de Port-au-Prince. Et nous saluons le pasteur Mathieu qui écoute certainement Radio Respiration. D'ores et déjà, avec cette note, je vous souhaite de passer une bonne journée sur nos ondes. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. C'était pour la présentation de l'émission Ma Journée Emmanuel et les Zénoristes. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain sur cette même longueur d'onde. Bye bye. Ne ferme pas cette porte.